merci bien. En France aussi, en ce moment, il y a la loi sur la transition énergétique qui est en train d'être. En France, on est en train de voter la loi sur la transition énergétique. Vous savez qu'en France, en 2015, il va y avoir la COP21. Et donc, depuis un certain temps, il y a d'autres réflexions sur la transition énergétique, sur la politique française de la transition énergétique. Et donc, il y a une loi sur la transition énergétique. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses de la façon dont l'eau est traitée dans cette loi sur la transition énergétique. Alors, là aussi, je ne ferai pas une analyse fine de la loi, mais je dirais de manière plus générale comment l'eau est traitée avec les questions énergétiques, les enjeux énergétiques. Alors, d'abord, en propos préalable, moi, je pense qu'il y a toujours un vrai sujet, en France ou ailleurs, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de prise en considération des enjeux de l'eau. Ça, pour moi, c'est très, très frappant. Très frappant, parce que c'est là, pour moi, la ressource essentielle, plus importante que la question de l'énergie, d'ailleurs, parce qu'on peut vivre sans énergie, hein, à la limite. Hein. Sans eau, ce n'est pas possible. Or, la question énergétique est devenue prépondérante, c'est-à-dire que dans les débats sur l'environnement, on ne parle que d'énergie. Et on ne parle que d'énergie en essayant de rattacher toutes les questions environnementales à l'énergie, ce qui me semble une aberration. Et donc, je pense que le vrai sujet que nous avons collectivement, c'est déjà à faire encore plus émerger les questions de l'eau, pas forcément évidemment liées à l'énergie, mais à faire émerger les enjeux de l'eau, et notamment pour la COP21. Pour que ça ne soit pas seulement une COP21 sur l'énergie, c'est sur le climat. Et quand on dit climat, les rapports du GIEC l'ont montré, la première ressource impactée par le changement climatique, c'est l'eau. Que ce soit sur des phénomènes extrêmes, sur des phénomènes de sécheresse, d'inondation. Donc il faut absolument essayer de reconnecter l'eau et le climat sans forcément parler eau et énergie. Et c'est vrai que sur la question de la transition écologique, en France, elle est devenue beaucoup la transition énergétique. Et je pense que la question de l'eau a été très faiblement prise en compte. Alors il y a une volonté des collectivités locales de plus en plus, enfin en tout cas on le voit en termes d'innovation, de travailler sur un lien eau-énergie avec de multiples manières. Alors là aussi, sans faire un développement sur la façon dont on peut lier les questions eau-énergie, notamment au niveau local, moi je parlerai juste en une minute là aussi du cas parisien, parce que c'est ce qu'on a essayé de faire, sans attendre la loi de la transition énergétique, de voir comment on pouvait utiliser nos services d'eau pour réfléchir à une politique énergétique plus soutenable. Donc, par exemple, utiliser les eaux usées d'égout pour la chaleur dans des immeubles. Comment on essaie d'utiliser l'eau pour la régulation thermique quand il y a des îlots de chaleur sur le territoire. Comment on peut lier là aussi des pompages d'eau faire à la fois des puits dans la nappe de l'Albien pour de l'eau de secours et en même temps faire de la géothermie pour récupérer de la chaleur. Donc nous on a cherché, mais dans une approche soutenable et de résilience face au changement climatique, à voir comment on pouvait connecter des réseaux d'eau et d'assainissement avec des réseaux de chaleur et comment on pouvait imaginer un nouvel urbanisme avec la question de l'eau. Là aussi, on en est vraiment au début, hein, faut dire les choses comme elles sont, parce qu'il y a des résistances toujours fortes, mais ça, pour moi, ça peut être un champ d'innovation sociale et environnementale. Je n'ai pas totalement répondu à ta question, mais c'est ma réponse. On va terminer en parlant d'un sujet qui est un sujet assez polémique dans le mouvement pour l'eau en France, c'est la question des lobbies. Oui, il y a beaucoup de gens, parmi nous, je fais partie, qui pensent que les lobbies de l'eau, du nucléaire et de l'agribusiness sont les lobbies qui dictent
sur les lobbies qui dictent les politiques de l'eau et de l'environnement en France. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée-là, du poids très très fort des lobbies sur la politique de l'eau et de l'environnement en France? Oui, moi je suis assez d'accord avec cette assertion, c'est-à-dire qu'ils sont... Et justement pour ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire que comme il y a un dessaisissement de plus en plus fort, en plus à la fois de l'État et des directions de l'État, des prérogatives et des moyens financiers, des moyens humains qu'ils mettent sur la politique de l'eau, évidemment que du coup les lobbyistes et les lobbies sont de plus en plus importants. Et c'est vrai que un haut fonctionnaire, que je ne citerai pas, mais un haut fonctionnaire du ministère de l'Environnement m'a même dit que même pour lui c'était étonnant, c'est-à-dire qu'il voyait aujourd'hui le poids des lobbies bien plus important qu'il y a encore 10 ans ou 20 ans. Ce qui pour moi est très inquiétant parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir pour l'instant au niveau même de l'administration publique. Donc je suis d'accord avec ça, mais là aussi pour essayer d'être positive, je pense qu'il faut essayer d'organiser des contre-pouvoirs. À Paris, on a démontré, alors que Veolia et Suez sont quand même des lobbies extrêmement importants, qu'on pouvait, malgré la pression forte des lobbies, quand il y a une volonté politique de créer un nouveau service, on le crée. C'est-à-dire que le politique a primé, parce que in fine, c'est quand même lui qui décide. Donc moi, je pense que le vrai sujet, c'est même pas tant le poids des lobbies, c'est la faiblesse du politique. Et qu'au lieu de taper sur les lobbies, il faut toujours taper sur les lobbies, mais taper sur les politiques qui ne font pas leur travail. Genre taper sur les politiques qui ne prennent pas leurs responsabilités. Parce que c'est quand même toujours in fine les politiques qui décident. Et moi je le vois, je l'ai vu à Paris, et je vois même maintenant, alors qu'on est un gouvernement, on a un gouvernement de gauche, enfin dit de gauche. Voilà, dit de gauche. Mais je pense qu'on est d'accord sur l'appréciation. Un gouvernement dit de gauche, en effet, même pour les régies, c'est-à-dire que nous, on a créé un réseau France au public, c'est-à-dire un réseau français d'opérateurs publics. Il faut se battre face à l'administration, face à des cabinets ministériels, pour défendre notre modèle. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les questions là aussi techniques et dans les exemples précis. Mais on voit que c'est encore presque plus difficile aujourd'hui qu'il y a encore 15-20 ans. Donc les lobbies sont très importants, mais je pense qu'il faut vraiment interpeller encore plus fortement les politiques pour qu'ils jouent leur rôle de décideurs et de contrepoids face à ces lobbies. Et le dernier truc que je voulais dire, c'est qu'on a... on a un vrai enjeu de préservation de la ressource, un vrai enjeu environnemental, et faire le lien eau-énergie, c'est bien, mais moi je pense qu'il faut beaucoup faire le lien eau-agriculture, et ça me semble beaucoup plus important de faire le lien eau-agriculture-territoire-alimentation. Ça me semble un axe majeur d'intervention politique, au sens noble du terme. Et là, on voit bien que, là encore, les lobbies agricoles sont extrêmement puissants, et qu'il y a eu un discours du Premier ministre Manuel Valls qui était consternant, c'est-à-dire où il a même dénoncé les directives européennes sur les nitrates en prenant le parti du plus grand syndicat agricole, FNSEA, agriculture productiviste, absolument pas soutenable sur un plan environnemental. Et il leur a donné raison en disant « oui, les normes européennes sont trop dures, il faudrait assouplir la question ». Parce qu'en fait, la France, pour la première fois, va être condamnée pour ne pas avoir suffisamment protégé ses eaux de surface et ses eaux souterraines sur la question des nitrates. Et je trouve ça absolument dramatique que là, les politiques prennent fait et cause, par exemple, sur ce sujet, avec le lobby agricole. Donc il faut... Pareil, il faut organiser des contre-pouvoirs sur le terrain, montrer par des politiques d'expérimentation, par d'autres politiques, c'est ce qu'on a essayé de faire à Paris d'ailleurs, on a essayé de travailler sur des reconversions d'agriculture écologique, sur nos champs captants, montrer que c'est possible et qu'on peut travailler différemment la question de l'eau et de l'agriculture et des territoires. Mais c'est vrai que la situation, pour moi en fait,
globalement, environnementalement et sur le plan de l'eau, est plus difficile aujourd'hui peut-être qu'il y a quelques années, parce que quand on est en crise, situation de crise, eh bien, il y a de fait moins encore de, il y a moins de prise en compte des questions environnementales par les politiques aux différents niveaux.